con una sonrisa, tutta nella vita, mai la sono in vita, dove la fantasia è fuori con noi. Sauf que là, je me suis posé la question si on n'était pas avec Airbnb.
Mais on a regardé les prix pour les billets d'avion, on s'est aperçu qu'on est revenu avec Air Transat parce que les autres compagnies, les autres transporteurs, c'était vraiment du vol aller-retour. Comment est-ce qu'il y en a ici, avec les mains levées, qui sont ici pour la première fois? Alors, soyez pas gênés, là. C'est la première fois, mais on va vous voir pareil l'année prochaine. Il y en a-tu qui sont ici depuis plus de 2-3 ans? Les mains levées encore une fois, oui. Je sais qu'il y en a qui sont ici. Lui, il va lever sa main à toutes les fois, ça fait 23, 24 ans, ça fait combien de temps ici? 25 fois qu'il vient en 21 ans. Caillou la gauche, c'est sûr qu'il est à l'ailleurs aussi. Je suis sûr qu'il est à l'ailleurs, là, à Plozo, il faisait partie du spectacle aussi. Partout. Mais il y en a des plus anciens que nous. Oui, bien c'est ça, j'aimerais savoir, le doyen ici, c'est combien d'années? S'il est ici, je le vois pas. OK, puis vous, ça fait combien de temps? Pas loin de 30 ans. En tout cas, pour les nouveaux, ceux que c'est la première fois qu'ils viennent ici, vous devez vous poser la question, à savoir, tu sais, c'est la première fois que tu viens ici. Puis là, on commence à faire des couleurs qui sont pâles. Il y en a d'autres qui sont foncés. On va faire une petite explication rapide. Tu sais, il y a eu plusieurs occupations à Cuba. Ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un métissage, puis il y a eu plusieurs de différents qui ont peuplé Cuba. Et puis, c'est pour ça qu'on a des Cubains pâles et des Cubains foncés. Les Cubains foncés, on les remarque surtout sur la plage nudiste. Mais il y en a d'autres qui viennent du Québec aussi. Et puis, merci. ce qui était fun, que je vous disais tantôt à propos d'Air Transat, c'est qu'à chaque année, moi, avec Air Transat, je me sens mieux, je me sens en sécurité, parce qu'à chaque année, toujours tombé sur le même pilote. Puis à chaque fois, quand il se nomme, on sait que c'est lui, parce qu'il dit, « Hey, des gens de demain, c'est le capitaine expliqué. » Suite, on est en sécurité, c'est le même à chaque année. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler du fait qu'ici, dans votre remarque, il y a des plages nudistes. Et puis, il est arrivé de pas d'autre, c'est la plage nudiste l'année passée. Parce que moi, je trouve ça le fun. Je dis, c'est le fun ici, on peut faire du nudiste. Let's go. On a rencontré un petit couple sur la plage naturiste. On parlait de tout et de rien, quoi, qu'on a parlé toute l'après-midi. Et puis, on parlait comme ça, là, sans pénétration, sans prétention. Et puis le soir, on s'est dit, hey, ça serait le fun qu'on se retrouve et qu'on se rencontre au lobby bar. Fait que le soir, ça vient ici, le bar, s'installe au lobby bar. Et là, je les cherchais partout. Là, je regardais à gauche, à droite, mais pourquoi pas? Là, j'ai allumé, je dis, c'est vrai, j'ai aucune idée de ce qu'on a de papier, ce monde-là. Et finalement, on les a retrouvés. Puis c'était la première année où j'ai moi-même fait du nudisme. Jamais j'aurais pensé faire ça. Mais il y a l'avantage, c'est que j'ai pas besoin d'acheter un costume neuf à chaque année. Fait que quand même toujours le même costume, j'ai pas trop le même costume, mais année après année, c'est malheureux, mais c'est un petit peu plus. Moi, ce que j'ai trouvé fantastique ici à Cuba, c'est que j'ai trouvé une espèce de paradis, et puis beaucoup, beaucoup d'amis. Tellement qu'à un moment donné, j'ai dit, hey, ça serait bon de s'installer là à temps plein. Là, j'ai pensé à ça, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'installer là? Là, je pourrais partir un commerce. Tu sais, mettons, je m'inspire des commerces québécois, et je me dis, tiens, ouvrir, mettons, un peu sur le Cramont. Ou une station service Pedro Cuba. Et puis finalement, j'ai réalisé qu'on ne pourrait pas s'installer au paradis et être à temps plein. Fait que c'est pour ça que l'année prochaine, je vais sûrement revenir ici. Parce que vivre au paradis à temps plein, ça va être impossible. Je le sais parce que sinon, monsieur qui est ici en avant, c'est déjà une stratégie ici.